OK, donc je vais débuter. OK, je pense que wow, c'est assez fort. OK. Donc, je vous invite à régulièrement visiter notre site Piazza. Il y a tout le temps toutes sortes d'informations qui s'y ajoutent. Entre autres, il y avait une question qui revenait à l'occasion. J'en avais discuté la semaine dernière avec Omar. Ah oui, on en avait discuté. Tu as résolu ça? Donc, il semblait assez difficile de résoudre le problème sans ajouter à l'objet .info une méthode qui permettrait de changer sa couleur. Puis je vous avoue qu'effectivement, quand j'ai regardé la question, je me suis dit, oh, effectivement, pas facile. Je suis allé voir la solution de mon collègue, j'ai triché un peu. Puis je me suis rendu compte qu'il y avait effectivement une façon de solutionner ce problème-là. Donc, il est très important de toujours respecter l'architecture qu'on vous a proposée. Donc, on vous a proposé une architecture où il y avait l'objet .info n'avait pas une méthode pour changer sa couleur. Donc, c'est à vous, ça devient un peu comme un puzzle, un petit défi. Vous devez vous faire tourner le petit hamster dans votre tête jusqu'à ce que vous trouviez une solution possible. Ici, la solution est relativement simple quand on y pense, c'est que la vue et le contrôleur interagissent avec le modèle. Il y a même une méthode dans le modèle qui s'appelle getColor. On demande au modèle quelle est la couleur de la cellule à la position IJ. Le modèle, lui, il sait, il connaît la couleur qui est sélectionnée. Donc, quand on demande au modèle, cette cellule-ci, peux-tu me donner sa couleur? Il devrait être simple de savoir si cette cellule-là est sélectionnée. Sa couleur devrait être la couleur sélectionnée. Et sinon, c'est sa couleur naturelle. On peut accéder à son getColor. OK, donc, c'est important de toujours consulter Piazza. Il y a pas mal d'informations qui s'y trouvent. Il y a quand même pas mal d'activités sur le site. Ça semble bien fonctionner. OK, donc, on avait 39 usagers le 4 mars, on en avait 32 le 28 février. Est-ce qu'il y aurait des questions par rapport au devoir courant parce que votre échéance c'est vendredi? On a la version du texte en anglais, donc je vais essayer ce soir de passer quelques heures pour traduire ça en français. Est-ce qu'il y a des questions? Non? Tout le monde a fini? Ou est en voie de finir? En voie de. Cool. Est-ce que vous avez montré votre jeu à des gens que vous connaissez? Non, pas encore. OK. OK, est-ce qu'il y aurait des questions d'ordre général, sinon, des trucs? Non? OK. Donc, vous vous souvenez peut-être qu'au dernier cours, je vous avais dit, tous les sujets ne sont pas égaux. Il y a des sujets qui me semblent pas mal plus importants pour quelqu'un qui va possiblement utiliser la programmation pour une bonne partie de sa vie. Puis parmi ces concepts-là, j'avais mis le concept de variable référence et de structure chaînée pas mal haut dans ma liste
de sujets qui sont importants. Il y a donc vraiment une idée qui est assez fondamentale en informatique, puis qui est une idée ici qui est beaucoup plus générale que juste la pile, qui est cette idée-là qu'on peut utiliser des variables références afin de lier des éléments d'information les uns aux autres. C'est vraiment une idée très, très puissante qui nous permet de créer des structures de graphes, des structures linéaires, des structures arborescentes, des structures incroyablement complexes. Et généralement, on utilise toujours une quantité de mémoire qui est exactement la bonne quantité de mémoire. La clé pour ces structures de données-là, c'est qu'à chaque fois qu'on veut ajouter quelque chose à la structure de données, on crée un nouveau conteneur. Le conteneur nous permet de sauvegarder une valeur et de connecter cet élément-là à un autre élément de la structure de données. Je vous ai donc proposé la classe LM, qui possède deux variables d'instance seulement, next de type LM, donc une variable référence qui peut désigner un objet de la classe LM, un autre objet, cet objet-ci, simplement un objet de la classe LM. Et pour quelques minutes, ici, je vous propose une version un peu simplifiée où la variable d'instance value, la variable qu'on utilise pour sauvegarder un élément d'information, je l'ai mis de type char, caractère. J'ai fait ce choix-là de sorte que dans mes diagrammes de mémoire, je puisse mettre la valeur dans la boîte elle-même. Donc, si on regarde la représentation du milieu, si on regarde la représentation du milieu, on a ici des objets de la classe LM. Un objet de la classe LM possède deux variables d'instance. L'une, c'est value, et dans ce cas-ci, on a décidé que les éléments sont de type char, un type primitif. On peut donc sauvegarder dans la boîte la valeur en question. Ensuite, il y a une variable d'instance qui s'appelle next, qui, elle, est de type LM. Soit sa valeur est nulle, ou soit sa valeur, c'est la référence d'un autre objet, l'adresse d'un autre objet. Donc ici, cette variable LM-là pointe vers le prochain objet. Puis c'est un concept qu'on va utiliser et réutiliser énormément dans le cours. Je vais effacer mes petits dessins. Puis, je vous avais dit que ce qui est particulier avec les structures chaînées, c'est que les éléments ne sont pas contigus en mémoire. Un tableau, ça débute à une certaine adresse. L'élément d'information à position 0 est à cette adresse-là. L'élément à l'index 1 est à l'adresse suivante. L'élément à l'index 2 est à l'adresse suivante. 3 est à l'adresse suivante. Si on regarde la mémoire, tous les éléments sont contigus, sont dans une même zone en mémoire. C'est vraiment pas comme ça avec les structures chaînées. Puis pour le démontrer, je vous propose une analogie. Okay? Donc, c'est pas le concept, c'est pas une représentation exacte de la mémoire. C'est une analogie. Mais en haut, ce que j'ai là, c'est un divan à 19 places. C'est un très grand divan. Il y a 19 places, mon divan. Puis j'ai numéroté chacun des sièges de mon divan. J'ai donc le siège 1, 2, 3, jusqu'à 19. J'ai 19 sièges sur mon divan. Donc, on peut faire des bons parties chez nous.
Puis j'ai décidé de représenter les objets LM par des enveloppes. Vraiment, là, je suis dans le concret, là, je pense assez de façon concrète, de façon très explicite. J'ai imaginé que chaque objet LM était représenté par une enveloppe. Puis chacune de mes enveloppes va contenir deux éléments d'information. Quelque chose qui va être une valeur, puis quelque chose qui va être l'adresse ou la position du prochain siège sur mon divan où je dois aller pour trouver de l'information. Ça vous va-tu? On a un divan, on a des enveloppes. Les enveloppes, ils ont deux choses dedans. Une chose, c'est un élément d'information. L'autre chose, c'est à quel siège je dois aller ensuite. Donc, dans la représentation du milieu, j'ai une variable référence P de type LM qui désigne un premier objet de la classe LM dans lequel j'ai sauvegardé le caractère A. Sur mon divan, P, c'est la position 9. Je suis allé sur la position 9 du divan et j'ai trouvé le nombre 6. Donc, vous avez vu aussi que j'utilise un code de couleur. Si c'est rouge, ça veut dire que c'est une position. Puis si c'est bleu, ça veut dire que c'est une valeur d'information. Donc, P correspond à une certaine position de ce grand divan-là. Je suis allé à la position P. Ce que j'ai trouvé, c'est... c'était pas une enveloppe. C'était l'adresse d'une enveloppe. C'était le siège auquel je dois aller pour trouver le premier élément d'information. Donc, je m'en vais au siège 6. Je trouve une enveloppe. C'est celle-ci. Il y a une valeur dans l'enveloppe, c'est A. Je veux maintenant trouver le prochain élément d'information. Je regarde dans la deuxième partie de l'enveloppe. Ça me dit, tu dois maintenant te diriger au siège 3. Alors, je me déplace. Je m'en vais au troisième siège. Je trouve une enveloppe. C'est celle-là. Elle contient la valeur B. Et si je veux poursuivre mes déplacements, je vais consulter l'enveloppe, sa partie droite. Il y a la valeur 10. Ça me dit, Marcel, tu dois te déplacer jusqu'au dixième siège. Tu vas trouver une enveloppe. Cette enveloppe-là contient deux choses. L'une d'elles, c'est une valeur. Et l'autre, c'est la position du prochain siège si je veux poursuivre ma démarche et me déplacer. Ça dit 12. Donc, je vais au siège 12. Il y a une enveloppe. Dans sa partie gauche, je trouve la valeur D. Si je veux me déplacer à nouveau, je dois consulter la partie droite de l'enveloppe. Ça me dit 7. Je me déplace maintenant vers la position 7 de mon très grand divan. Je trouve une enveloppe. La valeur qui est sauvegardée dans l'enveloppe, c'est E. Et si je regarde maintenant dans sa partie droite, la partie prochain siège à visiter, je retrouve une valeur spéciale qui me dit c'est la fin. Il n'y a pas de prochaine adresse. C'était la dernière enveloppe dans cette série d'enveloppes-là. Donc, cette analogie-là, elle est en fait vraiment très, très près de la représentation en mémoire. Si je voulais ajouter un nouvel élément, je regarderais le divan puis je dirais, j'ai besoin d'un siège libre. Alors là, choisissez un siège. 4? OK.
OK. Sur le siège 4, on va mettre une nouvelle enveloppe. Cette enveloppe-là aura une valeur, possiblement un F. On souhaite que ce soit la dernière. Puis là, on devra faire un changement à la dernière enveloppe qu'on avait visitée, celle qui avait le E. On va maintenant remplacer la partie droite, puis on va dire C4. On a ajouté un nouvel élément à cette structure chaînée-là. Conceptuellement, il est ici à la fin. Mais en mémoire, les éléments sont distribués un peu partout. OK, donc, c'est important de garder ça à l'esprit, parce que c'est vraiment comme ça que c'est implémenté. Pour ceux d'entre vous qui ont déjà peut-être des connaissances un peu plus avancées puis des affinités, ça a un impact extrêmement grand sur les temps de calcul à cause d'un concept qui s'appelle la cache. S'il y a des gens en génie informatique, le microprocesseur a une mémoire principale. Il y a des éléments de mémoire dans le microprocesseur. Puis pour accélérer les calculs, on met une petite mémoire entre les deux. Quand on a des structures chaînées, ils ne fonctionnent pas très bien avec la cache. Ça ralentit les calculs. Ça vous va-tu, mon analogie? Elle est assez simple, je pense. Un divan, des enveloppes, deux parties dans les enveloppes, des données, puis un prochain. Vous pouvez l'essayer à la maison. Vous pouvez essayer d'expliquer le concept à un ami ou quelque chose, un parent. C'est vraiment comme ça que l'information est sauvegardée. Chaque fois qu'on veut ajouter un nouvel élément, la machine Java virtuelle nous dit: voilà, il y a un endroit en mémoire où il y a une zone qui est libre. Je vais réserver pour toi cet élément d'information-là, et voici l'adresse que j'ai réservée pour toi. Cette adresse-là, on va la sauvegarder dans notre variable d'instance next. Et c'est comme ça qu'on va chaîner les éléments les uns aux autres. Mais dans la plupart des diagrammes qu'on va regarder maintenant, on va quand même dessiner la structure de cette façon-ci, de façon linéaire, parce que c'est comme ça, de toute façon, qu'on a accès aux éléments. Il est impossible, avec une structure chaînée, d'avoir un accès direct à l'élément qui supporte la valeur D. Tout ce que j'ai dans mon programme, c'est P. P désigne le premier élément. Je m'y rends. Je peux lui demander: comment est-ce que je peux aller au suivant? Je consulte Next. Je vais dans l'élément suivant. Ce n'est pas encore l'élément recherché. Je me déplace. Je vais dans le prochain élément. Ce n'est pas l'élément recherché. Je me déplace. J'ai trouvé l'élément recherché. Donc, le nombre, le temps d'accès, le nombre d'opérations qu'on va devoir faire va dépendre de la position vers laquelle on veut se déplacer. Plus cet élément-là est éloigné de P, plus il y aura des sauts à faire. Ce qui n'était pas le cas avec les tableaux. Les tableaux, c'est leur grande force. On peut accéder à n'importe laquelle des cellules de façon efficace, en temps constant. Le nombre d'opérations est toujours le même, peu importe qu'on accède l'index 0, l'index 1 million ou l'index 500 000. Si ça a un coût C, c'est le même coût pour accéder à ces cellules-là. Dans une liste chaînée, si je veux accéder le premier élément, il y a un coût C. Si je veux accéder le deuxième, ça va me coûter 2C. Si je veux accéder au troisième, 3C. Et vous avez compris, si je veux accéder à l'élément 1 million, ce sera 1 million fois C, le temps de calcul. Une question juste ici, oui? Bien, ce ne serait pas très utile comme concept s'il n'y avait pas de value. Ici, l'idée vraiment maîtresse, c'est: je crée ces objets-là, ce sont des conteneurs spéciaux,
conteneur, je peux sauvegarder une valeur, un élément d'information, puis un connecteur vers le prochain. Next, c'est le connecteur. Value, c'est ce qui nous permet de sauver l'information. Oui? Est-ce que le temps que, disons, la mémoire, ça prend pour aller de 3 à, disons, 5, est-ce qu'il y a même que le temps de calcul d'aller de 3, disons, jusqu'à 19? Oui. Non. Si le temps que ça me prend pour aller, par exemple, de cette cellule-ci à celle-là, je peux dire que ça va me prendre C. C'est un accès. J'ai demandé, donne-moi l'enveloppe se trouvant à la position 12. Maintenant, une fois que je suis à la position 12, j'ai dit, donne-moi l'enveloppe se trouvant à la position 7. On voit que la distance entre 10 et 12, c'était 2, alors qu'entre 7 et 12, c'est 5. Bien que ces éléments-là sont à une distance physique éloignée, le temps demeure C, constant. Très bonne question. Oui? Si le temps de calcul ici est le même pour chaque cellule, pourquoi dites-vous alors que c'est que l'implémentation avec les temps zéro est plus efficace? Parce que pour un tableau, si je souhaitais accéder à la position 10, je n'ai qu'à faire un calcul. On me dit, le tableau, il commence à une adresse de départ B. Chaque cellule utilise une quantité de mémoire K. L'adresse de la position 10 sera B plus K fois 10. Je fais un calcul, j'ai maintenant une adresse. Je demande à la mémoire, donne-moi le contenu de l'adresse B plus 10 fois K. Ça va prendre C comme temps de calcul. Donc, peu importe la cellule à laquelle je veux accéder, je fais un calcul arithmétique, j'ai une adresse. Maintenant que j'ai une adresse, je demande à la mémoire, donne-moi le contenu. Ici, si je veux accéder à la 10e position, je commence avec P. Je dis, P, son contenu, c'était 6. Je fais maintenant un premier appel à la mémoire. Je dis, donne-moi le contenu de l'adresse 6. Donc, ça m'a coûté C. Oui, là, je suis maintenant à l'adresse 6. J'ai récupéré l'enveloppe. Je vois que le prochain élément est à la position 3. Je demande à la mémoire, donne-moi l'élément à la position 3. Il me le donne, c'est 10. Ça m'a coûté C pour cet appel-là. Prochain élément est à la position 10. Je demande à la mémoire, retourne-moi l'élément à la position 10. Ça m'a coûté C. Je suis allé à la position 10. On m'a retourné l'information. Prochain élément est à la position 12. Donne-moi l'élément à la position 12. Donc, il y aura 10 requêtes à la mémoire, chacune ayant un temps de calcul C. Ça va me coûter 10 fois C, alors que dans un tableau, ça m'a coûté une fois C. Si j'avais 1 million d'éléments, ça m'aurait coûté 1 million fois C pour accéder au dernier, alors que si j'ai un tableau de 1 million de positions, ça me coûte C. Plus il y a d'éléments, plus c'est coûteux dans une liste chaînée, tableau constant. C'est bon? Super. Est-ce qu'il y a d'autres questions? OK, on va laisser faire le divan. Ah, il y en a une autre? Elle est très avantageuse côté mémoire parce que la quantité de mémoire utilisée est toujours proportionnelle au nombre d'éléments, tout à fait. Mais, dans le cas de notre pile, puisque tous les accès se font au premier élément, elle est aussi efficace. Quand je vais vouloir consulter la valeur de top, c'est le premier élément.
Quand je vais vouloir ajouter un élément, je crée un nouvel élément et je lui dis que son suivant, c'est top. Quand je vais vouloir retirer le premier élément, je dis maintenant P est égal à P.next. Ça m'a coûté, encore une fois, un coût constant pour faire ça. Donc, pour la pile, étant donné sa propriété très, très spéciale qu'on accède que les éléments du début, c'est à la fois économe en mémoire et rapide. On a gagné sur les deux tableaux. Super bonne question. OK, donc on a utilisé ici ce concept-là pour sauvegarder les éléments d'une pile. Les choses rondes, je vous ai dit, c'est des objets de la classe LM, où la partie du bas, c'est « next », et la partie du haut, c'est « value ». Dans ce cas-ci, « value » n'est pas un type primitif. Dans ce cas-ci, « value » est un type « référence ». C'est donc beaucoup plus versatile parce qu'on a été, on est capable de créer une pile paramétrée dans laquelle on va pouvoir sauvegarder toutes sortes d'éléments. Je suis absolument convaincu que si vous faites ces diagrammes de mémoire-là de façon correcte, précise, il est à peu près impossible de faire des erreurs avec ces choses-là. Et sinon, vous pouvez créer des spaghettis, perdre de l'information. Il est facile de connecter ces éléments-là dans le mauvais ordre. Si on devait implémenter la méthode isEmpty pour la classe linkedStack, on est dans l'objet linkedStack. C'est important ici, comme on manipule deux types d'objets, de bien les distinguer. Ça, c'est des objets LM. Et ça, c'est un objet linkedStack. De l'extérieur, on a une référence vers l'objet linkedStack et jamais vers les objets LM eux-mêmes. S'il y avait l'appel s.isEmpty, c'est la méthode isEmpty qui est exécutée dans un contexte d'objet, dans le contexte de l'objet désigné par S. Donc, on avait déjà implémenté cette méthode-là au dernier cours. isEmpty, il suffit de vérifier si top est nul. Donc, une pile qui serait vide serait une pile comme ceci, où sa variable d'instance top est nulle. Je pense qu'on avait aussi fait l'implémentation de peak. Peak est une méthode d'instance de l'objet linkedStack exécutée dans cet objet-ci. Ce qu'on retourne, c'est top.value. C'est cette référence-ci pour la méthode peak. Évidemment, il manque quelque chose ici qui aurait dû être là, mais qui a été omis pour garder le code compact. Qu'est-ce qu'on aurait dû faire ici? Oui. Est-ce qu'on aurait besoin de sauvegarder dans une variable? J'aurais pu écrire effectivement E, saved est égal à top.value
Ça, c'est la dernière slide. Pas bien long. Et return. J'aurais pu faire ça. Par contre, il n'y a pas un avantage. J'y vois pas un avantage. Je vais faire ce genre de travail-là seulement si j'ai l'intention de modifier la structure de la liste chaînée. Ouais. On voit pas ce que. Ah, OK. Il y a un petit décalage entre. Ah, toujours pas apparu. Je peux vous donner accès à ce que je fais comme ça. OK, donc j'aurais pu utiliser une variable locale, sauvegarder la valeur, sauf que dans ce cas-ci, il n'y a pas vraiment d'avantage. Allez, okay. Oui. C'est ça, j'aurais dû vérifier mes préconditions. Ici, il est illégal de faire un appel à PEAK si la pile est vide. Qu'est-ce qui serait passé si on appelait la méthode comme ça? Null pointer exception, notre nouveau meilleur ami. OK. On veut ajouter une valeur. C'est là que, sur le diagramme, tout ça a l'air très, très linéaire. Mais en réalité, les objets sont alloués en mémoire là où la mémoire est disponible. Donc, on crée un nouvel élément. Je peux appeler ça « new top » si je veux. Je peux dire « new top.next est égal à top ». Je peux dire newTop.value est égal à une nouvelle valeur à sauvegarder dans un objet LM. Puis vous voyez que si vous avez fait les dessins correctement, il reste simplement une chose à faire. On souhaite que top pointe là où newTop pointe. Donc top est égal à newTop. Ça fait le travail. On a ajouté un élément. Vous voyez que le travail qu'on a fait ici, il est indépendant du nombre d'éléments. Il y avait 3 éléments, il y en aurait eu 10. J'aurais fait les mêmes choses. Je crée un nouvel élément. Son suivant est le top actuel. Top pointe vers le nouvel élément. Cette façon de faire, ces opérations-là, ne vont pas changer, peu importe le nombre d'éléments qui se trouvent dans la structure de données. Ça vous va? Donc, ça pourrait ressembler à ça. Temp est égal à NewLM. On y sauvegarde une valeur. Son suivant, c'est la valeur actuelle de top. Et top est égal à temp. OK, je pense qu'on n'avait pas fait pop. Avez-vous une proposition pour top? Comment? Est-ce que vous voyez déjà, quand vous regardez le diagramme, des défis qui pourraient survenir à implémenter pop? Les défis avec les structures chaînées, c'est que si on ne fait pas les opérations dans le bon ordre, on pourrait perdre tous les éléments. Dès que j'ai brisé ce lien-ci, si vous regardez le diagramme, il n'existe aucune façon dans notre programme de parler de l'élément qui était désigné par top. C'est donc une bonne idée
Moi, j'appelle ça attacher les éléments. Je peux dire first, je voudrais qu'il désigne l'élément qui est désigné par ta. Comment j'écris ça en Java? First est égal à top. Je l'ai attaché. Maintenant, pop va retourner cette valeur-là. Je pourrais sauvegarder ça. Donc, variable référence que j'appelle saved. Qu'est-ce que vous me proposez comme code Java pour ça? Saved est égal à quoi? Pardon? Top.value ou first.value, puisque j'ai deux façons de parler du premier élément maintenant. Comment est-ce qu'on retire le premier élément? Alors, comment est-ce que je peux parler du deuxième élément? Next. Le suivant. Donc, first, c'est cet objet-ci. Je prends le contenu de next et je le sauvegarde dans top. Le résultat est que first.next et top désignent tous les deux le même élément. Qu'est-ce qu'il me reste à faire? Return saved. La valeur sauvegardée. J'aurais pu faire les choses de façon un petit peu plus compacte, mais il n'y a pas de... c'est pas un concours qui écrit le code le plus obscur. Donc ici, saved est égal à top.value. Évidemment que j'ai vérifié ma précondition. Top pointe maintenant vers le suivant. Top est égal à top.next et je retourne saved. OK, donc c'est... aussi compacte que ça, l'implémentation d'une pile à l'aide d'éléments chaînés. C'est rapide, c'est économe en mémoire, et c'est juste ça. Ça vous va? Est-ce que ça vous va? Et vous allez voir, on va reprendre le concept dans quelques minutes avec les fils. On va donc passer au prochain type abstrait de données qui va être les fils. Les fils, je n'ai pas trouvé de concept aussi intéressant que les pèses. Ça fait plusieurs années que je mets au défi les étudiants de trouver un concept intéressant pour les pèses, aussi intéressant que les pèses pour les fils. Une file, vraiment, dans la vie de tous les jours, on associe ça à des choses un peu monotones. On va au supermarché, puis on se met en file. On va au cinéma, puis on se met en file. La plupart du temps, quand on est en file, c'est un peu... il n'y a rien de rigolo à être en file. La file, c'est une façon civilisée d'accéder à l'information. La première personne qui s'est présentée est à l'avant de la file. Et c'est la première personne qui est arrivée en file qui est servie. Imaginez si on utilisait le concept de pile au lieu du concept de file pour le cinéma. Le film commence à 7 heures, tu arrives à 7 heures, il y a une grande file, tu passes en avant, dernière personne arrivée, première personne à aller au cinéma. On utilise les fils, entre autres, on va le voir dans quelques secondes, pour gérer les tâches d'une imprimante. La première tâche est la première à être imprimée. Pendant que l'imprimante travaille, on peut ajouter d'autres tâches dans la file. Une fois qu'on a terminé avec la première tâche, c'est la deuxième tâche qui va être traitée. Imaginez si on utilisait le concept de pile. Vous êtes au travail, vous essayez d'imprimer. Votre
tâche à imprimer est sous le dessous de la pile. Tout le monde imprime, ajoute des éléments sur le dessus, sont imprimés avant vos tâches. Donc, ce qu'on aime des fils, c'est qu'ils traitent l'information dans le même ordre que l'information s'est jointe à la structure de données. Donc, c'est un type abstrait de données, il est linéaire, chaque élément a un élément après lui, avant lui, sauf si on est à l'avant ou à l'arrière. La grande différence avec la pile, on accédait seulement à une extrémité, c'est le dessus. On ajoute à une extrémité et on retire à la même extrémité. Les fils, on va ajouter à l'arrière de la file et on va retirer à l'avant de la file. Il y a donc, c'est linéaire, mais il y a deux extrémités. On ajoute à une extrémité et on retire à l'autre. On appelle ça des FIFO en anglais, first in, first out. Les méthodes, on les appelle généralement NQ, DQ. Donc, DQ sort de la file, NQ ajoute à la file. DQ, quand on utilise une file pour faire de la programmation système, on appelle ça parfois serve. On sert un client, donc on sort de la structure de données un élément. Comme dans toutes les structures de données, tous les types abstraits qu'on considère ici, on va le décrire à l'aide d'une interface, d'abord. Donc, on a l'interface Q. On va évidemment vouloir que ce soit un type paramétré, de sorte qu'on puisse avoir des fils de jetons, des fils de chaînes, des fils d'entiers, des fils de n'importe quoi. Il y a une méthode NQ qui nous permet d'ajouter un élément, et il y a une méthode DQ qui permet de sortir un élément. Comme pour la pile, souvent, il n'y a pas une méthode qui nous permet de savoir combien il y a d'éléments. Ce qu'on va faire, c'est, tant qu'il y a des éléments dans la file, je traite. Il n'y a plus d'éléments, je fais une petite pause, j'attends que des éléments soient ajoutés à la file. Est-ce que vous imaginez déjà comment implémenter une file? Oui? Sûrement. Structure chaînée, puis avec un tableau. Vous allez voir que, alors qu'il était relativement simple d'implémenter la pile à l'aide d'un tableau, la file à l'aide d'un tableau, il va y avoir une petite variante, un petit élément particulier. OK, donc, dans quel contexte est-ce qu'on utilise les fils? Le système d'exploitation utilise abondamment le concept de fil. Donc, le microprocesseur a une file qui comprend des éléments d'information pour chacune des applications qui est présentement en cours d'exécution. Donc, si vous pensez à votre ordinateur, vous avez l'impression que chacun des programmes qui est sur l'ordinateur est exécuté en parallèle, alors que vous avez un seul microprocesseur. Votre microprocesseur a probablement de nos jours 4 cœurs, mais quand même, avec 4 cœurs, ça voudrait dire qu'il y aurait 4 applications en parallèle. Mais je suis absolument certain que la plupart d'entre vous, vous avez votre navigateur avec Facebook, vous avez, peu importe le programme que vous utilisez pour votre messagerie, vous avez probablement Sublime ou Dr. Java, Word. Vous avez des dizaines d'applications, puis vous avez l'impression que chacune de ces applications-là a accès au CPU. Alors qu'en fait, le système d'exploitation utilise une file. Il prend le premier élément, il lui donne un peu de temps sur le microprocesseur, retourne à l'arrière. Je prends l'élément à l'avant,
je lui donne un peu de temps sur le microprocesseur, ramène à l'arrière, prend l'élément avant, va sur le microprocesseur, retourne à l'arrière. Puis si on fait ce jeu-là à une vitesse incroyable, 3 GHz, on a l'impression que les applications sont vraiment en train de s'exécuter de façon parallèle. On met aussi des fils entre l'usager et l'imprimante, entre le microprocesseur puis un disque. Le microprocesseur a une vitesse de calcul incroyable et est capable d'inonder le disque de façon quasi instantanée. Le disque n'est pas capable de répondre à la même vitesse. On va donc mettre les informations dans une file. Le processeur est libéré, peut faire autre chose. Le disque ramasse les éléments de la file, les sauvegarde ou fait les opérations nécessaires, lecture, écriture. Éventuellement, le processeur peut revenir et dire « Ah, OK, les opérations sont terminées, je reprends. » Donc, on va utiliser des fils pour accéder les périphériques, accéder les disques. Il y a plein d'algorithmes qui sont assez intéressants, qui utilisent des fils. Il y a beaucoup de simulations. On fait, il y aura un lab, j'espère, où vous allez simuler un supermarché. Donc, avant de dépenser des milliers de dollars pour rénover un supermarché puis ajouter des caisses ou quoi que ce soit, on peut faire des simulations. Il y a des clients qui arrivent, ils sont en file, puis on peut voir l'impact de nos changements sur le temps d'attente. Il y a un algorithme qui est intéressant qui s'appelle le parcours en largeur qui nous permet de trouver, entre autres, le plus court chemin dans un labyrinthe. Et ce qu'on va voir, c'est qu'on peut utiliser une file, puis on peut faire la preuve qu'on va trouver la solution la plus courte. Donc, c'est une belle propriété à avoir. Donc, tout ça, c'est des exemples de choses qu'on peut faire avec des fils. Juste pour me rassurer, pour voir que vous suivez, pouvez-vous me dire ce que le programme va afficher? OK, donc j'ai une petite classe test, méthode principale, Q est une référence de type Q, je crée un objet linked Q, j'ai une boucle que j'exécute 10 fois, j'ajoute l'élément 0, j'ajoute l'élément 1, 2, 3 jusqu'à 9, termine ma boucle, tant que la file n'est pas vide, je sors un élément puis je l'affiche. Qu'est-ce que mon programme va afficher? Oui. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. OK, donc ça affiche les choses dans le même ordre. C'est pour ça qu'on a des fils. OK. Donc, je pense que c'est assez logique d'utiliser les fils, les structures chaînées pour sauvegarder les éléments d'une file. Oui, déjà, on voit bien, c'est les structures chaînées qu'on a vues sont linéaires. On a des éléments connectés les uns aux autres de façon linéaire. Ça semble être une bonne idée intuitivement. Est-ce que vous anticipez déjà un certain défi avec l'utilisation d'éléments chaînés? Oui. Est-ce qu'on utilise la même porte qui est dans la pile? Oui. Mais là, pour ajouter, on doit l'ajouter à la fin de la pile. Donc, ça, je ne sais pas comment on va faire. OK. Donc, ce qu'on a vu, c'était, ou ce qu'on s'était, on avait une longue discussion où on s'était dit, si je dois descendre dans la structure chaînée, ça va être coûteux. Le temps de calcul va être proportionnel au nombre de références suivies. On n'aime pas ça. Avec les piles, on n'avait pas ce désavantage-là, puisqu'on accédait seulement une extrémité. On n'avait jamais à descendre plus profondément dans la structure chaînée. Vous allez voir qu'on va s'en tirer et on va avoir quelque chose d'efficace. Alors, on va évidemment utiliser une classe imbriquée. C'est la même classe qu'on avait. Donc, elle s'appelle LM.
j'ai une variable d'instance value, une variable next. Value me permet de sauvegarder un élément. Next me permet de connecter cet élément à son suivant. Ma première question pour vous, c'est là où dans la pile, j'avais eu l'idée de connecter l'objet linked stack à l'élément top et non pas dessous. Ici, est-ce qu'on va connecter l'objet linked queue à avant ou à arrière? Oui. OK, tu me dis que si j'utilise peut-être l'implémentation du déçu ou ma variable d'instance, donc ici, j'ai deux implémentations possibles. Ça, c'est l'objet linked queue. Dans un cas, j'ai décidé que ma variable d'instance pointait vers l'élément arrière. Dans l'autre cas, j'ai décidé que c'était l'élément avant. Dans ce cas-ci, si je veux faire DQ, si je veux retirer un élément, ça va être rapide. Si vous y pensez, ça ressemble beaucoup à POP. Retirer le premier élément. Dans ce cas-ci, dans le cas où j'ai utilisé une variable d'instance qui pointe vers l'élément du dessous, ajouter un élément devrait être super efficace. Ça ressemble à push. Je vais ajouter un nouvel élément au début. Donc, ça ici, c'est pour DQ, ça serait rapide. Et celle du bas pour NQ, cette implémentation-là est rapide. Par contre, l'opération NQ pour la proposition du haut va me demander de me déplacer jusqu'à la fin de la structure pour ajouter un élément. Plus il y aura d'éléments, plus ça va me coûter cher. Donc, NQ est pas très bien implémenté ou a une implémentation qui est peu performante en haut. En bas, on a vu que NQ fonctionne bien. Par contre, DQ, pour retirer l'élément avant, je vais devoir me déplacer jusqu'à la fin pour retirer le dernier élément. Donc, mauvais choix pour DQ. Donc, on voit ici qu'il semble que on ne peut pas gagner. Que soit on a NQ rapide et DQ qui est lent, où on a DQ qui est rapide et NQ qui est lent. Tu as probablement une proposition. Je vais juste formuler une question pour essayer de donner le temps à tout le monde de trouver une solution. Ce qu'il faut se poser comme question, c'est qu'est-ce qui fait que DQ est rapide pour la proposition du haut? DQ est rapide parce qu'on a un accès à l'élément avant. Qu'est-ce qui fait que NQ est rapide dans l'implémentation du bas? C'est qu'on a un accès rapide à l'élément arrière. Proposition? On a besoin des deux. On a besoin d'un accès avant et arrière. Je vais juste vérifier quelque chose pour voir si j'ai la... Ouais. Donc, on a besoin de deux variables d'instance dans l'objet linked queue. Mais ce n'est pas la fin de l'histoire. Linked queue. Il y a deux versions possibles.
Dans une version, l'élément qui est le plus près de l'entête, ce que j'appelle l'entête, c'est l'objet linked queue, c'est l'élément arrière. Dans l'autre implémentation, l'élément qui est le plus près de l'entête, c'est l'élément avant. Est-ce que ça fait une différence? Peut-être que les deux implémentations sont aussi efficaces l'une que l'autre. Et peut-être pas. Est-ce qu'il y en a une que vous préférez? Peut-être demander à la personne qui l'a proposée, est-ce que les deux sont aussi efficaces l'une que l'autre ou il y en a une que tu préfères? Comment on pourrait décider? Oui. Parce que le front, la seule chose qui arrive au front, c'est sur le type. Donc, ce serait mieux l'implémentation en haut. Toi, tu préfères l'implémentation en haut. Regardons. L'implémentation en haut, je vais ajouter un nouvel élément. Je crée le nouvel élément. Je l'ajoute à l'arrière. Donc, ça devient mon nouvel élément arrière. Ça fonctionne bien. Regardons l'implémentation du bas. Je vais ajouter un élément. Je l'ajoute ici. Ça devient, je connecte l'élément arrière actuel à celui-ci et ça devient mon nouvel élément arrière. J'ai ajouté un élément. Donc, l'ajout fonctionne bien ici et l'ajout fonctionne bien là. Pour décider, il faut regarder maintenant le retrait. Implémentation où front désigne le premier élément, je veux retirer le premier élément. Ça ressemble pas mal à pop. Front est égal à front.next, l'élément est retiré. Implémentation du haut. Avoir une référence vers l'élément avant. Est-ce que ça me donne un avantage pour le retirer? Pas vraiment. Pas vraiment, parce que pour retirer le dernier élément, je dois changer la référence de l'élément qui précède. Je dois faire en sorte que front désigne cet élément-là. Mais pour y arriver, je vais devoir repartir du début puis me rendre jusqu'à l'élément qui précède. Cette solution-ci n'est pas intéressante du tout. Celle du bas, on n'y a pas trouvé de défaut. NQ, je crée un élément, il devient le suivant de l'élément présentement à l'arrière. C'est mon nouvel élément arrière. DQ, sauvegarde ce qui est dans front.value. Front est égal à front.next, l'élément est retiré. Il y avait 100 000 éléments, on s'en fout. C'est le même temps de calcul. Ajout, j'ai un accès direct à l'élément qui est déjà le dernier. Il y avait 100 000 éléments derrière, on s'en fout. C'est un accès. J'ai dit, donne-moi accès au dernier élément. Ça m'a coûté C. J'ai créé un nouvel élément. J'ai dit, rear.next est égal à new LM. Puis si j'ai fait mon dessin comme il faut, c'est clair. Maintenant, il faut que je réajuste. Rear est égal à rear.next. J'ai réajusté mon élément. Donc, la solution du bas nous permet d'avoir une implémentation de NQ et DQ qui est rapide. On utilise tout le temps une quantité de mémoire qui est proportionnelle au nombre d'éléments. On a quelque chose de gagnant à nouveau. Est-ce que ça a coûté bien, bien cher ce qu'on a fait là? Pas vraiment. Au lieu d'avoir une variable front, on a front et rear, deux variables, qui est 1 million d'éléments ou pas, même coût, deux variables d'instance, deux c'est un petit nombre,
c'est pas une, il n'y a pas une consommation de mémoire importante. Par contre, on a gagné que le temps de calcul pour l'ajout et le retrait est indépendant du nombre d'éléments dans la structure de données. Ça, on aime ça. C'est hyper rapide. Donc, il y a un petit peu plus de complexité à notre implémentation. Quand vous réfléchissez à ces problèmes-là, je vous suggère de toujours penser au cas général puis au cas spécifique. Cas général, vous vous imaginez, j'ai au moins 3, 4, 5 éléments qui sont déjà dans ma file. Je veux en ajouter un, je veux en retirer un. Cas spéciaux, j'avais un élément dans ma file, je le retire. Il y avait un seul élément, j'en ajoute un. Ou il y avait zéro élément, j'en ajoute un. Vous allez voir que le code est parfois différent dans le cas spécial par rapport au cas général. L'autre chose, faites des diagrammes de mémoire. Je vous dis, dessiner, ça, c'est utile. Quelqu'un qui m'a fait un beau dessin, d'ailleurs, à l'examen mi-session. J'essaie de voir, est-ce que la personne est là? C'était vraiment un beau dessin. Ça parlait de PES, ça parlait de plein de choses. De ninja, de programmation. Il y avait pas mal d'affaires. OK, je ne vois pas la personne. J'essayais de voir si la personne avait passé beaucoup de temps à dessiner, moins de temps à programmer. OK. Je vais ajouter un élément. Cas général, j'ai imaginé qu'il y avait au moins 3 éléments. Je vous fais les dessins, puis vous me donnez du code Java équivalent. Je crée un nouvel élément. Pour sauvegarder une certaine valeur et je m'assure qu'il est connecté à la fin de la structure. Un énoncé Java pour faire ça. Rear.next. Donc, ce qu'on a modifié, c'est la variable next de l'élément désigné par rear. Rear.next est égal à new element. New element pour sauvegarder des E, possiblement. On y a mis une certaine valeur. C'est quoi son suivant? Null, il n'y en a pas de suivant. Donc, null. Comme ça. Si on regarde le diagramme, qu'est-ce qu'il faut corriger? Il faut que rear désigne cet élément-là. Quelle est la façon d'accéder à cet élément-là? Donc, rear.next, c'est la référence de cet objet-ci. Puis ça, on veut sauvegarder ça dans rear. Donc, rear est égal à rear.next. On s'est déplacé, on a déplacé ça. OK, donc ça, c'est juste la même chose, mais de façon lisible. OK, le cas spécial, on veut ajouter un élément, la file est vide. Pourquoi est-ce que c'est un cas spécial? Oui? Il n'y avait pas d'élément. D'une part, si j'avais utilisé le même code, mon code disait rear.x. Rear est égal à nul. Qu'est-ce qu'on a? Null pointer exception. Vous allez voir, à la fin du semestre, on va être bon, là, tous en cœur, on va dire null pointer exception d'une seule voix. OK.
Donc, on aurait une exception. Puis la deuxième chose, c'est... Imaginez que je fais la chose suivante. Je vais faire l'inverse. Je vous donne du Java. Rear est égal à new lm pour sauvegarder les objets T. Donc, j'ai créé un nouveau lm. Puis j'ai sauvegardé sa référence dans rear. Qu'est-ce qui manque à mon diagramme? Front. Front est égal à rear. Donc, il faut aussi modifier, c'est la deuxième différence, il faut modifier front dans le cas d'un ajout et que la structure était vide. Ah, il y avait une bonne question sur la... Sur le transparent précédent. Pouvez-vous me donner une expression Java qui me permet de déterminer si la file est vide? Parce qu'évidemment que dans mon code, je vais devoir faire un peu d'aiguillage. Là, je vais dire, OK, la file est vide. Rear est égal à new lm. Front est égal à rear. J'ai fait mon travail. Sinon, si elle n'était pas vide, c'est rear.x est égal à newlm, rear est égal à rear.x. Donc, il faut que je décide est-ce qu'elle était vide ou pas. Proposition. Les front est nul, front et rear sont tous les deux nuls. Je vous propose une solution, vous me dites ce que vous en pensez. Oui? C'était pas une bonne idée parce que si j'avais eu la situation où il y avait un seul élément, j'aurais front et rear sont tous les deux égales, ils pointent vers le seul élément qu'on a. C'est vrai que c'était vrai si front et rear sont tous les deux nuls, cet énoncé-là va être vrai, mais il est aussi vrai dans le cas où il y a un élément. Donc, il est préférable de dire, si front est égal à nul, alors cette structure de données-là est vide. OK, donc ça, on avait déjà donné le code. Retrait d'un élément. Alors, oui. Bien, il ne pointe pas vers. Quand on pose la question, est-ce que front égale à nul, on demande, est-ce que tu as une valeur spéciale qui dit je ne pointe pas vers un élément? Donc, je ne suis pas certain d'avoir compris la question, finalement. On peut peut-être en parler après, parce qu'il ne me reste vraiment pas trop de temps. Je veux retirer un élément. Il y a un cas général, il y a un cas spécial. Est-ce que la file vide, c'est un cas spécial? Mais non. C'est un cas d'exception. Et vide, on veut retirer un élément, qu'est-ce qu'on fait? On lance une exception, new MTQ exception. Donc, la file vide, c'est pas un cas spécial, c'est un cas d'exception. Le cas spécial, c'est... Ma file contenait un seul élément, je le retire. Pourquoi c'est spécial? Parce qu'elle devient vide, mais dans le cas général, quand je vais retirer quelque chose, je vais modifier la variable avant, front. Je retire un élément, je modifie front. Mais le cas spécial où il y avait un seul élément, puis je le retire,
arrière va devenir nul aussi. Donc, il faudra que je modifie la variable rear aussi. C'était ça? OK. Retrait d'un élément. Au moins au début, comme je vous dis, essayez pas d'être macho ou macha. C'est pas un concours de qui écrit le code le plus compact, obscur. Attachez les choses. Donc ici, si on y réfléchit, pour retirer l'élément, front devra pointer vers le deuxième élément. Si je veux être super conservateur, je vais attacher tout ça. Je vais dire second est égal à ça, first est égal à ça. Puis ensuite, j'ai attaché les éléments, je ne peux pas les perdre. Tout à l'heure, on a vu qu'on pouvait écrire first. On avait dit top, mais dans ce cas-ci, ça va être front pour attacher le premier élément. Si vous faites ça aussi, ça devient quasiment des commentaires, vous allez voir. Comment est-ce que je peux avoir une référence vers le deuxième élément? Second est égal à quoi? J'ai juste pas entendu. First point X. Vous regardez ça, c'est pas beau. C'est quoi le deuxième? Ben, c'est celui qui suit le premier, là. Second equals first point dot next. C'est un commentaire, ça. C'est vraiment, c'est quasiment de l'anglais. Je veux retirer le premier élément. Qu'est-ce que je peux faire? Comment je fais ça? Front est égal à second. Encore là. C'est quasiment de l'anglais. Front equals second. Qu'est-ce qui est arrivé du premier? Bien, on l'a enlevé. Il n'est plus là. Qu'est-ce que je retourne? Return first point value. Je retourne ça. Il y a évidemment mille et une façons d'écrire ces choses-là. OK. Comment est-ce que je fais? Donc là, on veut retirer un élément. On est dans le cas spécial. Il y en a juste un élément. Save. Comment je fais pour faire pointer save sur cette chose-ci? Save est égal à quoi? Front point value. Vous voyez aussi que si on les dessine, ces diagrammes de mémoire-là, c'est simple. Donc là, j'ai attaché ça. Qu'est-ce que je peux faire maintenant? Peut-être même pas besoin de ça. Comment est-ce que je coupe ça? Front est égal à nul. Rear est égal à nul. Est-ce qu'il y a des questions sur ça? Oui. Dans le cas général, il faut retirer un élément. On n'a pas trouvé le lien qui avait un élément quand on retire. Ah, OK. Bonne question. Bonne question. Je reviens. Je vais trouver rapidement le diagramme qui correspond. Celui que j'avais fait à la main, possiblement. Allez, Marcel. OK, celui-là ici. Donc, ce que tu me dis, c'est j'avais pas. Puis je vais utiliser une couleur différente. J'avais pas coupé ce lien-là.
Par contre, j'ai dit front est égal à first point x ou first front est égal à second. Ça, j'ai fait. La variable qui pointe vers cet élément-ci est une variable locale à la méthode DQ. À la fin de l'exécution de la méthode DQ, first disparaît. Il n'y a donc plus de façon d'accéder à cet élément-ci. Et Java est suffisamment intelligent pour dire, puisqu'il n'y a plus de façon d'accéder à cet élément-là, il n'y a plus de référence entrante, je vais récupérer cet espace mémoire-là. Donc, dans le cas des variables références comme ça, il n'est pas nécessaire de couper ce lien-là. Ce n'est pas une mauvaise chose de le faire, mais dans ce cas-ci, il n'y aura pas de fuite de mémoire. La machine Java virtuelle, ce qu'elle regarde, c'est dans le programme, est-ce qu'il y a une façon d'accéder au nœud, à l'élément? Oui, je ne peux pas m'en débarrasser. Non, je m'en débarrasse. Excellente question. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions? Non. Donc, on va se voir au prochain cours avec une application des fils où on va trouver les plus courts chemins dans un labyrinthe. N'oubliez pas que vous avez une échéance pour le devoir qui est vendredi. Je vais essayer de poster le devoir 4 le plus vite possible. Hey! Encore le devoir 2? Oui. J'ai reçu une note, mais j'ai pas reçu de commentaire. Ah non? Non. Peux-tu m'envoyer un courriel? Est-ce que tu as fait ça en équipe? Non. Ah, OK. La raison pour laquelle... Je vais enlever ça, là.